Ça court partout, les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche et dans les tribunes. Bah, je ne sais pas comment ils font, certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, il y a le devoir accompli. Et la joie collective, la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, comme enfin chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs barcelonais qui fêtent ça avec leurs supporters, qui présentent le trophée. Et c'est une belle habitude pour le club catalan qui collectionne les trophées saison après saison, avec toujours la même joie. C'est le début de la fête. Hein. Là, il y a la fête au stade, il y aura la fête au retour, certainement à Barcelone. Regardez ce beau moment de partage. Allez, ça va être le moment de la photo officielle. Ils n'ont pas fini de la regarder, cette photo. Ils ne se rendent pas compte, à un moment où ils apprennent que toute leur vie, ils vont continuer à la regarder. C'est ça, ça devient un trophée pour toujours et un souvenir pour toujours.